Attention, c'est du lourd. Bonjour à tous et bienvenue sur Ratchet & Clank Rift Apart qui sort en exclu ce 11 juin 2021 sur PS5. Je l'attendais comme un fou, il est enfin là. On va se prendre une gifle monumentale. Allez, on lance cette nouvelle aventure. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en tout cas si elle vous plaît. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Il y en aura sûrement un par jour comme d'habitude. Difficulté, on va jouer en agent rebelle. Difficulté donc standard. On voit l'agressivité, les dégâts et la santé des ennemis en bas, donc voilà, un choix équilibré pour les joueurs expérimentés que nous sommes. Donc agent rebelle. Ensuite, on va jouer en mode graphique fidélité. Très important, je vous explique. Il y a trois modes graphiques. Le mode graphique fidélité, donc, qui favorise une meilleure qualité d'image avec le ray tracing, des éclairages avancés, des effets, une densité visuelle accrue et bien sûr une résolution 4K. D'ailleurs, vous pouvez mettre la vidéo en 4K. Je fais un effort sur la résolution cette fois-ci parce que le jeu, c'est une vraie claque graphique. On a également le RT Performance, donc le Ray Tracing qui est activé, 60 images par seconde, mais une résolution qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Je peux vous l'assurer, hein, j'ai testé les trois modes, et c'est vrai que la réseau en prend un coup. On a également le mode Performance, 60 images par seconde, mais on retire le Ray Tracing à une résolution un peu plus haute. Franchement, la qualité d'image en fidélité, c'est le top. Je vous le dis, alors bien sûr on est en 30, habituellement je favorise la fluidité, mais pour cette fois, je peux vous assurer qu'il y a une grosse différence de qualité d'image. Donc on va choisir le mode fidélité. Sous-titres, on les active bien sûr, et on est parti. Oh que j'avais hâte. Membres de la résistance, veuillez vous présenter immédiatement au centre de recensement le plus proche. Il ne vous sera fait absolument aucun mal. C'est promis. Et que les membres de la résistance se présentent à l'accueil VIP du centre de recensement le plus proche pour un ajustement comportemental obligatoire. Vous allez adorer. Comme les autres. Et voilà l'assistante. Et voilà l'info. Un vrai coup de maître. Maintenant, file en vitesse et décrypte cette chose. Où est l'info, robot ? Regardez! C'est moi. Privette? Chut! Faut y aller. Tenez, c'est pour rentrer chez vous. J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait... Merci! Tu trouves pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur? C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis... des années. Et si les gens nous trouvaient ringards? Oh, peut-être qu'on est devenu ringards. Oh. Heureusement, nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui. Hormis sourire et saluer le public. Oh. Ouais. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les invités d'honneur de notre parade. Rachet et... Non, non.
Quark, j'animerai les réjouissants. Ah oui, 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 je dis oui. Moi, ça faisait un bail qu'on les avait pas vus. Cette gifle. Les effets de particules de partout, les couleurs, les textures. C'est dingue. Waouh ! Eh ben, dis donc, t'as vu un peu le monde qu'il y a ? Même après toutes ces années, c'est toujours aussi électrisant. Ouais, tu l'as dit. Alors évidemment, je vais faire attention de pas trop en faire, mais il y a un effet véritablement waouh quand on démarre le jeu. C'est une journée mémorable qui vous attend. Programme, formidable moi. Sans oublier évidemment l'incroyable cadeau surprise de Clank pour Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Attends, un cadeau? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en... Ça a commencé sur la planète Belgique, où le Ratchet, un bricoleur frénétique, très attendu. En soudain, le vaisseau des plantes tomba du ciel. Ratchet porte un secours au robot de guerre de ses dieux, et si vous la connaissez, vous la connaissez. Évidemment. Assez cool de reparler des anciens Ratchet. Alors, X est carré pour lancer une attaque puissante avec la queue. C'est ce que j'ai fait juste avant. C'est incroyable. J'en reviens pas, alors pardon hein, de parler des graphismes, mais... On peut dire qu'ils ont fait les choses en grand. Mesdames et messieurs, nous verrons vous à présent franchir la rage festive. Alors, maintien L2 est carré pour lancer la clé. On connaît. Tout le monde se souvient encore de l'invasion de Kerbal. Ratchet, je pense que la foule a bien mérité une petite démonstration. Avec plaisir. Enfin, une fois qu'il aura pu faire le plein de munitions, évidemment. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux avec les munitions, hein. Ça risque d'être compliqué sinon. Alors, R2 pour tirer sur les vaisseaux Blarg. Ok, on va casser les caisses hein, dans un premier temps, alors je sais pas si ça sert à quelque chose. Il y a des petites sensations, des vibrations hein, dans les gâchettes. La DualSense, qui apporte toujours un petit plus. J'ai trouvé l'Obax. C'est la reconstitution de quelle bataille? La tête est mise à prix, l'Obax. Ratchet, je crains qu'il ne fasse pas partie du spectacle. On esquive les tirs. Alors, quoique la DualSense, elle n'est pas toujours bien utilisée dans tous les jeux, mais alors là, on sent bien les sensations, les tirs et ainsi de suite. Ok, on récupère de la vie. Bon, je suis déjà à fond, j'en ai pas besoin. Quoi? Quelqu'un a mis nos têtes à prix? Oula! Première séquence sur rail. Wouhou! J'espère que ce n'est pas lié à ton cadeau. Vite, dépêchons-nous d'aller à l'avant de la parade. Franchir un obstacle. Le son! Ah, qu'est-ce que j'aime cette série. C'est feel good, c'est pour toute la famille. De super persos, une bonne ambiance, de l'humour. L'activation des magnétibots. Les magnétibots. Alors, maintien L2, utilise le stick pour viser. Ok. On connaît. Et que ça saute. Le spectacle va être terminé. Accroche-toi. J'aurais préféré sourire et saluer la foule. Quelque chose me dit que c'est l'œuvre des Blarg. Des Kragmites. Ou... Oh. Les docteurs Nefarius. Pas possible. Nefarius a pris sa retraite bien avant nous. Forcément, Nefarius. Toujours dans les mauvais coups. Coucou. Deux héros Oh, des chats mécaniques! Recule! Allez-y, moi, 3 kills, ma super clé! Bon, on va tirer plutôt, hein! Je suis un petit peu submergé! Calmez-vous, les petits! C'est bon? Allez, on récupère un petit peu de vie. Ça nous remet à fond tout de suite. Ah, on aurait pu peut-être les attirer sur les tonneaux explosifs. Oh, un bateau de pirates! D'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos, hein, présentation du jeu où justement on voyait
Oula, on voyait des planètes à thème, encore une fois, donc j'ai hâte vraiment de les découvrir toutes. On récupère bien sûr un maximum de boulons. Ensuite comme ça on pourra acheter de nouvelles armes. Oula. Attends, je récupère des munitions. Wow. Ils sont plutôt nombreux hein. Oh, eux aussi peuvent faire des petites esquives des roulades. Alors honnêtement j'ai pu tester hein, le mode performance RT et performance normale. Et sincèrement, la qualité d'image n'est pas du tout la même, je vous le reconfirme. Ouch! Il a tiré dessus par derrière. Petit coquin! Comme ça, on peut esquiver de temps en temps. Alors, le danger, c'est plus la grosse machine que les petits ennemis là. Que les ennemis qui larguent. Ok. Largage d'autres ennemis. Alors pour l'instant on a qu'une seule arme. Ouch. Niveau plus. C'est le pistolet rafale tiens qu'on a. On est passé au niveau 2. Alors j'espère vraiment qu'on aura des armes totalement loufoques hein, comme dans les autres Ratchet. J'ai vraiment hâte. Oula, les petits chiens. Attention qu'il n'y en arrive pas par derrière. Sait-on jamais. Oh, c'est tellement le pied. Mais alors il y a des effets de particules partout. Alors, la navette des Goons for Less. Ok. Ah, il y a la jauge de vie en haut. Hein. On va tirer dans les réacteurs. Oh, ça va. On la déglingue relativement vite. Wouhou. Je suis un peu rouillé, mais je m'en sors pas mal. Est-ce que c'est fini? Et maintenant, nous arrivons au présent de ce récit héroïque. Ratchet, le dernier Lombax connu, les autres étant perdus dans une autre dimension, s'apprête à recevoir un mystérieux cadeau de la part de Clank. J'avais préparé un discours, mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami. Mon coéquipier. Et tu as renoncé à beaucoup de choses pour... J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille. Oh, écoute, je... Hey! Docteur Nefarius! Ratchet et Clank! Quelle merveilleuse surprise! J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Nefarius? Ça! Hein? Pourquoi plus personne n'a pris de mode d'emploi? C'est du grand spectacle. Il faut à tout prix reprendre le dimensionnateur au docteur Nefarius. Oui, et sans tarder. J'ignore ce qu'il a en tête, mais attendons-nous au pire. Alors, t'as décidé de Ok. Enchaîne, hein. Vous êtes encore là, tous les deux? Évidemment que vous l'êtes, ça ne devrait pas m'étonner.
J'aurais dû me douter que Nefarious tenterait quelque chose. T'en fais pas pour ça. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route! J'ai l'impression que Nefarious a atterri du côté de la gare. Oh! Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Besoin d'une arme? Madame Zurkon a tout ce qu'il faut. Oh, ça me rappelle Monsieur Zurkon, qui était une arme incroyable, vraiment. Alors, bienvenue chez Madame Zurkon, la seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal. Est-ce que je peux acheter ton mari éventuellement? Alors, bombe à dispersion, 1250 boulons, on est à combien? 2173. On va pas pouvoir prendre les deux, mais pas loin. On a le pistolet rafale, donc ok. Qu'est-ce qu'on va acheter? J'ai bien envie d'acheter l'exécuteur. Énergie, ok. Tout détruire, un tir à la fois devient lassant. Régale-toi en annihilant tes ennemis avec ce canon double à plasma. Deux fois plus de puissance, de feu, deux fois plus de fun. Allez, je prends ça. Comparer les armes, avoir un aperçu. Boum! Quel est le son de la puissance à l'état brut? Celui de l'exécuteur! Deux canons pour garantir un max de destruction! Appuyez sur la gâchette de tir à moitié pour faire feu avec un des deux canons! Si jamais vous le sentez bien, appuyez sur la gâchette à fond pour tirer avec les deux à la fois! Boum! Oh, c'est trop bien! J'adore une petite présentation. Donc, j'achète celui-ci, pour commencer. Excellent choix! Merci. Profite de ton achat, reviens régulièrement à la boutique de Madame Zurkon pour y trouver de nouvelles armes. Et on prendra les bombes un peu plus tard, hein. C'est pas un souci. On va pouvoir tester cette nouvelle arme. D'autres mercenaires en approche! C'est gentil d'être mes cobayes. Allez! Ah oui, par contre, va falloir que j'y aille doucement sur la gâchette. Je sens que la plupart du temps, je vais envoyer à chaque fois le canon entier, hein. Ouhou. Enfin, le double canon, du moins. Oh là là. Incroyable. Il y a partout. Bon, les petits chiens, je pense qu'on peut se les faire avec la super clé, éventuellement. Ah, je lui ai brisé son bouclier. Ils ont quand même de la défense. Aïe. Très efficace. Maintien, triant pour sélectionner une arme. D'accord, un menu radial. Je vais prendre le pistolet rafale. Ça se passe que j'ai plus de munitions, hein. Qui me propose ça, je pense. Attends, je vais récupérer les caisses quand même. Histoire d'avoir pas mal de boulons pour acheter ensuite les bebons. Madame Zurkon, j'ai combien là? J'ai 947. 1300, bah ça suffit. Allez, tout de suite, je vais acheter les bombes. Voilà. Aperçu, s'il te plaît. Dites, est-ce que vous savez ce qu'il y a de mieux que de regarder des explosifs sauter? Les balancer à main nue! Appuyez sur la gâchette de tir à moitié pour viser. Si le temps presse, appuyez sur la gâchette à fond pour envoyer passer l'ennemi! Bombe à dispersion! Destruction plutôt, oui! Ça j'aime bien. Allez, j'achète. Bon, c'est une arme qu'on a vue dans les anciens. Alors, R2 à demi, arc de lancer, à fond lancé. Ah ouais, d'accord, et on peut viser comme ça également avec la gâchette de gauche. Bon, faut s'y habituer un petit peu, mais ça devrait aller. On maîtrise. Tiens, de la vie si besoin. Il me semble que je suis à fond, hein. Ouais, je suis full. Attends, je suis sur quelle arme? Donc on change comme ceci, hein. Alors je testerai bien les bombes. On va voir après. Posez le dimensionnateur, Nefarious! Posez le dimensionnateur! Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait de perdre. Je vous préviens, c'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. Voyez. Qu'est-ce que tu as fait? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Le pont est fichu! Il y a forcément un autre moyen de passer. Les failles semblent réagir au quartz phasique de ton gant.
essaie de le braquer vers l'une d'elles. L1 pour utiliser la longe dimensionnelle. Ouais. Non mais t'as vu ça? Ah ouais, j'ai vu. C'est vrai que c'était marrant. Marrant et surtout pratique. Oh, ok, alors toi je te fais exploser. Wouhou. Ok, récupère les boulons. Ah, il y a une nouvelle faille ici. Je me demande combien les Farius sont. Il me semble que je touchais personne, c'est con ça. Alors attends les bombes. J'aimerais bien essayer. Voyons voir. Attrape. Bon, on peut également les envoyer très rapidement comme ça avec une pression de touche. Si vous êtes vraiment proche des ennemis, je pense que c'est efficace, hein. Pas de soucis. Les petits chiens. Coucou quoi. Aïe. La super clé est toujours efficace contre les petits ennemis, hein, évidemment. Oula. Attends, je vais récupérer les petites caisses. Alors, je sais pas combien d'armes il y a dans le jeu, mais à mon avis, on va pouvoir se faire plaisir. Hein. On en a déjà 3. Ça me surprend d'ailleurs qu'on en ait autant aussi rapidement. Y a pas de caisse sur le côté là éventuellement? Non. On peut continuer. Oh, attention la tête! C'est encore pire que ce que je pensais. Oh la vache. Ils sont fait transformer en plantes, là, je sais pas quoi. Là, des requins des sables. Oh, ça rappelle des souvenirs. Attends, je repasse sur l'âme de base. Et regardez le sol. Ah là, clairement, il n'y a pas de downgrade. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais... Et le Red Racing aussi qui fait le café. Hein. On a un truc de ce côté? Ouais, des caisses. Alors je fouille un minimum hein, quand même. Hein. J'ai envie d'éviter de louper des choses importantes, genre le raritanium, les boulons. Le vaisseau de Nefarius. Il faut qu'on trouve un moyen de monter. Les taxis au départ de cette plateforme passent à côté. Alors il n'y a pas une seconde à perdre. Ah, tiens, au fait, quand est-ce que tu as réparé le dimensionnateur? Sur mon temps libre. Et je sais que retrouver les Lombax a toujours été important pour toi. J'ai pensé que peut-être nous pourrions les chercher ensemble. Oh, ça me touche beaucoup. Mais je... que dirais-tu de récupérer le dimensionnateur, déjà? Téléportation. Et d'ailleurs, on a vu, hein. On a vu Rivette dans l'intro du jeu. Donc effectivement, il y a bien une autre Lombax au moins, mon cher Ratchet. Et une fille en plus. Ah, c'est que maintenant que tu me dis qu'on peut sprinter. Bon, j'arrête de dîner, hein. Merci encore de nous avoir embauchés. Les bombes. Flèche de droite. Oula, c'est un peu craqué par contre, j'avoue. C'est vache efficace. Hein. Attrape. Bien visé. Des boubous, des boulons. Les boulons, y'a que ça devrait. Voilà. C'est ça qui nous permettra après d'avoir un arsenal plus complet et plus puissant. Bon, pas que, hein. Faudra du raritanium. Deviennent incontrôlables. Nefarius a complètement perdu le contrôle. C'est quoi ça? Oh, hey. Il y en a tellement de partout. Et sincèrement, je pense que pour un ancien, admettons, je mets mon père sur le jeu, il va plus savoir où donner de la tête, quoi. Il y en a vraiment dans tous les sens, mais c'est hyper impressionnant. Fais les péter. Nefarius refait-il vraiment surface après toutes ces années, juste pour essayer encore une fois de conquérir l'univers? Ouais! Et il s'en sort un peu trop bien à mon goût! T'inquiète pas! Après Returnal, je suis paré à tout shooter!
Returnal que j'ai terminé, franchement quel jeu incroyable. Pour moi c'était un petit peu de la mini next-gen parce que vraiment le jeu était incroyable sur beaucoup de plans. Mais c'est pas la claque graphique tout de même comme ce Ratchet. Là, disons que c'était un début de claque, mais alors là, c'est un autre niveau, clairement. Ah, on peut se téléporter dans les failles. Excellent. En plein combat. C'est vraiment fort. Attention, passe sur les bombes. S'écarte un petit peu, tiens, utilise la faille pour téléporter. Niveau sup. Niveau 2. Très bien. Les bombes. Coucou. Mal visé. On s'écarte. Tout va bien. Oh, c'est tellement dynamique. Finalement, le 30 images secondes ne me dérange pas du tout. Je craignais, tu vois, d'être dérangé vraiment par le mode fidélité, mais l'image est tellement éclatante, tellement belle. Que le choix est vite fait. Mais je vous conseille d'essayer les trois modes, histoire de vous faire votre propre avis. Parce qu'effectivement, je sais que surtout les joueurs PC sont vraiment attachés à la fluidité du jeu. Maintenant, allons mettre la main sur Nefarious. Qu'est-ce qui m'a saisi? C'est une bande d'incompétents pareils. Voilà tout ce qu'on récolte quand on accorde un congé de paternité à son assassin. Nous devons empêcher Nefarious de trop utiliser le dimensionnateur. Il faut affaiblir ses défenses. Attention à son rayon. Il suffit de faire un double saut pour l'esquiver. Oula. Non. Ça fait mal. Tant mieux. C'est... Crapauds sont tellement répugnants. C'est mignon les crapauds. Un peu visqueux mais mignon. On va éviter qu'il nous saute dessus. Ah, il me faut une caisse de mune. Attends, téléporte-toi là-bas. Oula. Attention les projectiles. Ah, par contre j'ai toujours pas de munitions. J'en ai pas récupéré, bon. Au pire, on peut prendre des bombes, hein. C'est pas trop grave. Non, ses défenses sont en train de faiblir. Ah, je crois que je l'ai pas touché en plus. Là. Ah, lui, par contre, obligé de le viser, hein. Ah, il y a une caisse de munitions. J'avais pas vu. Parfait. La moitié de sa vie. Mais aïe, pourtant, je les vois, hein, les projectiles. Limite, je fonce dessus, quoi. Qu'est-ce que ça va être ce coup-ci? Niveau plus pour le pistolet rafale, niveau 3. Combien de fois vous nous l'avez faite celle-là? Oh, je dirais dans les 4 fois. Non, c'est sans importance. Aujourd'hui, ce sera la dernière fois. Oh la vache, j'ai eu de la chance par contre sur le laser là. Hein. J'avoue. Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne. À votre tour de goûter à la défaite. Les dimensions sont en train de s'effondrer. Eh bien, je ne suis pas très optimiste. Super. Ah, où sommes-nous? Attends donc, nous t'avons combien de bras? La bordade? On nous attaque! Dégage de mon bâton, maudite créature! Alors l'avantage avec ce Ratchet, c'est qu'on ne peut pas crier au downgrade. Qu'est-ce que vous dites de ça? On est...
Et c'est quoi toutes ces lumières? Je crois que c'est l'heure... l'heure de votre défaite. Ratchet, le dimensionnateur. Ratchet. Oh non, mon bras. Et non, le dimensionnateur est... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami. Où suis-je? Mais... c'est moi? C'est moi! Ah, j'ai réussi! J'ai réussi! C'est moi qui gagne! Empereur Nefarius, vous rentrez plus tôt que prévu de votre conquête. Oui! Empereur! Bienvenue dans Ratchet & Clank. Où est-ce que tu es? Peut-être que quelqu'un l'a aperçu ici. Eh bien, on va chercher. Mon cher Ratchet, tu as atterri dans la villa de l'introduction du jeu. Alors, il y a quelques caisses. Il parle pas? Tant pis. Je suis curieux souvent de voir, tu vois, les petits PNJ, si ça cause. Vous n'auriez pas vu un petit robot gris, par hasard? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Parfaitement charmant et mécanique. Eh ouais, donc mine de rien, ils sont séparés, hein. Est-ce que ça va être comme ça pendant tout le jeu? Bon, faut que j'arrête de m'arrêter à chaque PNJ. Ouais, je suis curieux vraiment de voir la relation qu'on va avoir Ratchet avec... avec Rivette. Et donc Clank qui reste avec elle. Est-ce que ça va être ça pendant tout le jeu? On verra. Tiens, quelques caisses là-bas. J'en récupère un maximum. J'adore les boules. 3200. On pourra peut-être s'acheter une nouvelle arme bientôt. J'espère qu'il y a une bonne nouvelle derrière cette porte. J'espère aussi. Et pour l'instant, le jeu, ce qui me choque le plus, c'est qu'il n'y a aucun temps mort. N'oubliez pas qu'il est usage de remercier chaleureusement notre glorieux empereur avant, pendant et après vos achats. Empereur? Est-ce que ça veut dire que... qu'il y a deux Nefarius maintenant? Ah, il manquera plus que ça. Nefarius attendra. La priorité, c'est Clank. Il est peut-être dans ce bazar. Alors attends, si je pars de ce côté, donc je pense que c'est pas là. Planer. Par contre, j'ai plus hélico. Hein. Les bottes, ça fait le café. Oh, Madame Zircon. Oh, une minute. Vous avez oublié vos achats? Oh, mais entrez, voyons. Madame Zircon va te vendre des armes, mais tu dois te faire un peu plus discret si tu ne veux pas compromettre la résistance. La résistance? Oh, excuse-moi, mon chou. Madame Zircon ne s'y connaît pas encore très bien. Oh, espionnage. Espionnage.
vaisseau. Comment je peux quitter la planète? C'est une question piège. Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux... Mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au club Nefarious et tu le trouveras. Club Nefarious, compris. Oh, et joli travail, agent secret Zurkon. C'est tellement excitant. Comment je vais la reconnaître, moi, la musique de ce club? Alors, effectivement, j'entends de la musique. Ouvrir la carte. Au fur et à mesure que tu exploreras la planète, des objets à collectionner et d'autres points d'intérêt s'afficheront sur la carte. Sélectionne une icône et appuie sur X pour l'épingler sur l'ATH, sur la croix. On trouve le fantôme au club Nefarious. C'est par ici, il me semble. Voilà. Ah oui, j'ai un objectif. Eh bien, on y va. Attends, juste un truc. Madame Zurkon, où es-tu? Est-ce que tu as une nouvelle arme pour moi, éventuellement? Alors, le champitron, ça coûte 3000. Ouais. Rechargement santé munition, ça coûte 35 boulons. Fais voir le champitron. Ah, la seule arme à avoir détruit les ennemis de Mini Zurkon et à avoir animé son dernier anniversaire, j'ai nommé... champitron. Lancez-le et vos ennemis seront sous un tel choc qu'ils seront obligés de le suivre dans son délire. L'occasion idéale pour vous de vous éclater un petit peu. Eh bien voilà, c'est typiquement ce que je veux. Allez, j'achète. Oh oui, ça va être vraiment très 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 pratique pour occuper les ennemis. Rechargement, santé, munitions, voilà. On a déjà 4 armes, ça va tellement vite. Alors, arc de lancer, demi-lancer, oui bon, toutes les armes s'utilisent un peu pareil j'ai l'impression. Hein. Donc champitron c'est là, hein. Ouais. Donc j'ai déjà les 4 slots qui sont payés. Hein. Incroyable. Allez, il y a une bonne ambiance. Direction la boîte de nuit. Là, je crois que je le tiens mon club. Ouais, suivons la musique. C'est sûr, c'est par ici, on peut pas se tromper. Fantôme, petit fantôme. Par contre, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Bonjour. Merci. Est-ce que c'est vous le fantôme? Où est-ce qu'il est, ce fantôme? Est-ce qu'il y a un fantôme dans le coin? Juste là pour du sport. Attention les yeux. Ah, les vibrations dans la DualSense. On sent bien les baffes. Première mission depuis Perpète et je me fais repérer. Le fantôme... c'est Skid? Séquence poursuite. Je vais m'occuper d'eux, sinon ils vont pourchasser le fantôme. Ah, j'aurais pu directement les faire exploser d'entrée de jeu. Un type mystérieux au long déguisé, je suis sûr que c'est... Je suis quasiment sûr qu'il y a des caisses... Tiens, regarde. Du raritanium. Exact. Oula. C'est vrai que c'est pas des gentils. Ils viennent jusqu'à moi. Pourquoi tout le monde croit que je fais partie de la résistance? Ah, faut quand même prendre son temps, hein, si on veut récupérer, hein. Le raritanium, plus toutes les caisses avec des boulons, etc. Important. Wouhou. Oula, attention. Je t'ai vu. Alors là, il est tout seul, donc il n'y a pas trop d'utilité de tester le champitron. Mais quand il y aura plusieurs ennemis, ah, on se fera plaisir. Alors, normalement, le raritanium, ça va servir à améliorer les armes, hein, si je dis pas de bêtises. Je pense. Pour l'instant, on peut pas. Ouh, trampoline. Sur une échelle de 1 à 10, je suis la plus chanceuse de tout le monde. Ah, c'est le reset. C'est le club.
Attention au laser. Tiens, on va le tester. Champitron. Ah mais il est énorme. C'est censé les occuper hein. Oula. Pas évident de s'occuper de tout le monde. Et le champitron qui leur tire dessus, j'ai l'impression aussi hein. Très 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 intéressant. Tiens, on va passer sur le peupon. Là je pense qu'on peut aller là-haut, je retournerai chercher les caisses ensuite hein. Je m'occupe d'abord de l'affreux. Ah ! Génial. Que de bonnes sensations. Il y a forcément quelque chose ici qui me permettra de rejoindre le fantôme. De ce côté, ouais, il y a également des caisses qui sont bien planquées. Fais tout le tour. Fais voir au niveau de la réflexion des arbres, là. Non, il n'y a pas de flaque. Mais j'avais vu quelques images, effectivement, de comparaison entre les trois modes graphiques et on voyait bien... la différence avec et sans ray tracing, donc pour le coup ça vaut vraiment la peine de l'activer. Que ce soit en mode fidélité ou en RT performance. Je pense que le ray tracing dans ce jeu, visuellement, ça apporte quand même quelque chose. Après le jeu, c'est pas qu'une baffe graphique, hein, attention. Hein. C'est une super ambiance, des persos qui détonnent. Belle musique aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ah d'accord, ça va soulever le truc. Ouais. Et maintenant on peut y aller. Tu veux bien arrêter de courir? Est-ce que c'est un genre de test? Vas-y, dis-moi. Ah, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de caché là-haut. Est-ce qu'on aurait dit une sorte d'escalier? Mais pas vraiment. Double saut. Hé, attends. Ah, regarde. Du raritanium en arrière là. Je récup. Le voilà. C'est la boule de poil du club. Oh non. Je m'en occupe, fantôme. Toi, mets-toi à l'abri. L'autre membre de la résistance. Ça va alors. Ça va tellement. J'aurais adoré faire exploser les deux en même temps. Parce qu'ils étaient pas loin en plus. Ils étaient assez à côté. Ah par contre, bonne chance hein, au début pour, avec le shotgun, juste appuyer à moitié sur la gâchette, c'est pas évident, hein, sincèrement. Attends. Champitron. Merci les bombes. Ah ouais, ça leur tire dessus, effectivement. Mais c'est trop bien. J'adore. Mission exécuteur, des petites caissouilles. Miam miam les boulons. Alors attends, j'essaie de voir par contre où est-ce qu'il y a. Ah voilà, regardez le reflet de l'arbre. Bah je pense que tu l'aurais pas comme ça dans la flaque si tu étais sur sur le mode performance simple. Donc sans ray tracing. On se rend pas compte mais ça fait effectivement partie de l'immersion dans le jeu. T'assures, le nouveau? Merci. Chut. C'est quoi ça? Un genre de poignée de main secrète? Hé hey! Et j'en fais quoi au juste? Ok, le bleu. Teste le sprint fantôme. Un sprint fantôme? Ce n'est pas pour l'instant. Tu échappes à tout. C'est quand même trop pratique. Comme ça, on a le double saut, tu vois. On a également les bottes. Et en même temps, saute et fais un sprint fantôme. Le sprint fantôme. Pas du reste. Donc on peut quand même aller vachement loin. Pas de panique. Sers-toi du gant pour courir le long de ces panneaux. Vas-y. Ce mur va pas te mordre. Tu peux aller encore plus loin. Enchaîne un saut et le sprint fantôme. Un gameplay évidemment qui est accessible à tous. Un réel plaisir. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Chut, on est pas. En Pauline. Ah, du rail d'ailleurs. J'en ai récupéré combien depuis le début hein? 9? Il me semble que j'en ai 9.
jouer une navette royale ou pas? Ah, les Lombax. T'es aussi têtu qu'elle, à ce que je vois. Attends, tu connais l'autre Lombax? Elle est partie où? Sur Sargasso. Elle y retourne toujours après une mission. Sargasso. Ce sera la prochaine planète, sûrement. Je te propose un marché. Tu vois ce dirigeable? Si tu m'aides à en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarius. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce dirigeable? Contente-toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. Le toit? Comment je fais pour l'atteindre, ce toit? J'arrive, Planck. Tiens bon, mon vieux. Ouais, j'ai encore des souvenirs du Swinger qu'on l'avait récupéré dans le... Oh, bien shooté. On l'avait récupéré dans le tout premier Ratchet. C'était une de mes séries préférées hein, sur PS2. Alors c'est vrai qu'il y avait souvent la team Jak and Dexter, Ratchet. Moi honnêtement, les deux pareils. Sincère. Hein. Les deux sont excellents. Alors, rappel d'objectif. R2 affiché l'objectif actuel. Ouais, rejoins le fantôme sur le toit. Bon ça, je me souviens. Je sais bien que j'ai la mémoire courte, mais tout de même. Alors évidemment, ce serait dommage hein, de réduire le jeu simplement à une claque graphique. Hein. C'est bien plus que ça. Parce que Ratchet, c'est tellement des jeux fun, c'est tellement cool, il y a beaucoup d'humour, des persos qui détonnent et... Vraiment, celui-ci, il est parti pour être dans les meilleurs, je pense. Ça dégage! C'est tout? D'accord. Oula! Eh, franchement, les bombes, très très efficaces hein, pour l'instant. Hein. Pourtant, il semble qu'on est qu'au niveau 1. Oula, j'ai failli me louper. Ouais, pas passé loin de la catastrophe. Un instant, mon chou. Est-ce que tu vas sur le toit? Tu devrais d'abord utiliser ton raritanium pour essayer d'améliorer ton arsenal. Et en plus, j'en ai récupéré pas mal, et Madame Zurkon. Je vois que tu sais reconnaître un bon produit. Oh, le collisionneur de Megatron. Par contre, ça coûte 5000. Hein. Alors, magasin d'amélioration, appuyez sur R1 pour basculer vers l'onglet amélioration. Et bien voilà, enfin, achetez amélioration d'armes pour augmenter sa capacité en munitions, sa cadence de tir et encore bien d'autres aspects. Appuyez sur X pour sélectionner le didacticier laser oula, et apprendre à améliorer tes armes. Utilisez le stick pour sélectionner l'amélioration reliée au point de départ, d'accord. Ouais, augmente la quantité maximum de munitions. Maintien X pour acheter amélioration avec du raritanium. Le raritanium du didacticiel est offert par la maison. C'est gentil ça. J'achète. Tu comprends vite. Je sais, je sais. Alors, les groupes de cellules dorées contiennent des améliorations spéciales. Achète toutes les améliorations reliées au la cellule, ça veut rien dire à la cellule, hein, je suppose, dorée pour être débloquée. Améliorer son arsenal est un jeu d'enfant quand on a du raritanium, bien sûr. D'accord, donc là on doit acheter tout ce qu'il y a autour pour obtenir la dite amélioration. Voilà, précision, les rafales sont plus précises. Très bien. Ça m'a coûté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 raritanium, il me semble. Il m'en reste 12. Ah mais non, ils ont dit qu'il était gratuit celui-là. Alors un vrai jeu d'enfant améliore une de tes propres armes. Tu vois? Pourquoi se contenter d'une arme standard quand on peut la rendre exceptionnelle? Mais tout à fait. Alors, dépense de raritanium pour améliorer une de tes propres armes. Donc, pistolet rafale, champitron, bombe à dispersion, exécuteur. Je sais pas. Ah ouais, il y a que le pistolet rafale pour l'instant qui est au niveau 3. Bon, j'améliorerai celle-ci, hein, qui est notre arme principale pour l'instant. Donc. Ah, donc là, on aurait éventuellement... Tire des protéines de plasma, donc ça, c'est l'arme. Augmente la quantité de munitions récupérées dans les caisses de 50. Il me reste 12 raritanium. Par contre, est-ce que je pourrais faire le tour de tout ça? Ça va prendre un certain temps, je pense. Hein. Sache que c'est toujours un excellent investissement d'optimiser ses armes. Forcément. Et voilà pour le didacticiel. Adresse-toi, Madame Zurkon, pour améliorer tes armes en échange de raritanium. J'étais sûre que tu comprendrais très vite le principe. Alors, augmente la cadence de tir en mode rafale. Ah oui, effectivement, on voit les jauges en bas à droite. Et pour avoir ça, faut faire tout le tour. Hein. Si j'ai bien compris, c'est ça. On va essayer. Hein. Donc là, on augmente vachement la cadence de tir. La quantité maximum de munitions. Ouais, les munitions max. On fait le tour. Les rafales sont plus précises. Là, ça augmente la précision. Eh ben, je pourrais faire le tour.
Normalement, je vais avoir les trois améliorations, là. Ensuite, les rafales sont plus précises. Et enfin, augmente la cadence de tir en mode rafale. Et voilà. Pas mal, hein. Eh ouais. Caisse de munitions augmente la quantité de munitions récupérée dans les caisses de 50. Énorme. 150... Ah, mais 50 à chaque fois, ou... Ou les 3, ça vaut pour une. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il m'en reste 4. Cadence de tir en mode rafale. Vas-y, on va tout booster. On se pose pas trop de questions. Ah, mais je suis bête, je peux le faire aussi pour les autres armes. Oh, eh, je me focus tellement sur le pistolet rafale, là, c'est terrible. Puissance. Par exemple, ce serait bien de se focus un petit peu sur l'exécuteur, quand même. Putain, je suis bête. Ouais, j'aurais pu... j'aurais pu totalement faire un petit peu les autres armes, aussi. Augmente la quantité de munitions récupérées dans les caisses de 1. Yes, augmente la portée des tirs. Par contre, là, quelles compétences on a à apprendre? De toute façon, qu'il n'y a pas de compétences sur l'exécuteur. Peut-être parce qu'on est au niveau 1. Peut-être qu'après, on débloque des trucs au fur et à mesure qu'on monte en level. Merci de ta visite. Merci pour votre aide, agent secret Zurkon. Merci. Bonne chance, là. Alors attends, madame. Juste un truc. Eh oui, on a d'autres armes qui viennent d'arriver. Donc, rechargement. Arroseur taupière. Je te ferai savoir. Ouais, mais j'ai pas assez d'argent, du coup. Hein. C'est en rouge pour l'instant, mais ça a l'air extrêmement fort. Donc, petit rechargement, munitions complètes, santé, etc. Et on est reparti. Merci, madame. T'as fini par arriver jusqu'ici. Tu m'impressionnes. Attends, tu peux me voir? Où est-ce que tu es? Tu t'es occupé de ma navette? Tu l'auras, ta navette. T'inquiète. J'ai juste besoin d'un coup de main pour une dernière chose. Le centre de bien-être Nefarius. Tu vas détourner l'attention de ces soldats pendant que je pirate le dirigeable de propagande de Nefarius pour envoyer un message inoubliable à la ville. Oui, ça devrait être jouable. Ça devrait pouvoir se faire. Alors je suppose qu'il faut pas aller là-dedans. Attends, je vérifie. Ah oui, il aime pas trop, ça lui pique le cul. Bon allez. Attends, qu'est-ce que je prends là? Petit champitron. Je vais l'envoyer ça. Domination robotique. Attrape. Cadeau. Allez, occupe-le, va. Tiens, on va servir un petit peu le système de paille. La voix de la... C'est plutôt chouette. Ici, oula. La voix de la vérité. Champitron. Tiens, j'en envoyais un peu de partout, Romain. C'est qu'il faut qu'on comprenne. Je vais pas en envoyer plus, j'ai l'impression que j'en envoyais deux, c'est déjà pas mal. Le nombre croissant de citoyens qui en ont par-dessus la tête de subir votre dictature diabolique. Et les petits qui arrivent là-bas, attention. Niveau plus pour l'exécuteur. Très bien. Par contre, est-ce que je me rapproche pas un petit peu trop près? On va rester à distance un peu. Yes, ça vaut mieux. Champitron, mission épuisée, dommage. Les bombes. On sortirait toujours. Je conseille de rester à distance, les cocos. Hein. Vous allez prendre cher, sinon. Alors, ce système de faille qu'on va devoir apprendre à utiliser un peu plus, peut-être. Mais c'est vrai que ça doit permettre d'aller d'un côté à l'autre de l'arène. Là, par exemple, je vois une faille là-haut. Est-ce que je peux monter? La réponse est oui, bien sûr. Attends, esquive. Tiens. Je prends mon shotgun. Wouhouhou. Excellent. D'ailleurs, moi j'ai pas vu. Petit salaud. Ouais, c'est vrai qu'on a, on a quand même 4 armes. Donc à chaque fois je me dis, attends, je prends celle-ci, plutôt celle-là, plutôt l'autre. J'hésite souvent. Allez, je remonte. Super dynamique, hein. Bon. Quand il monte, moi je descends et inversement. La bombe. Oula, il est sur moi. Et niveau plus, bombe à dispersion. Excellent. Oh oh, la double esquive. Oh, y'a rien à dire, c'est tellement beau gosse. Oula. Calmez-vous. Allez, lâche balaye. Cherche pas à comprendre. Les gros ont ses effets, maintenant y'a que des petits. Vous savez quoi? Oubliez le code. Les actes valent bien plus que les mots. Ah, ils ont lâché beaucoup de boulons, hein. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bonjour Nefarius, me voilà. Waouh, où est-ce que t'as appris ça? On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'Empereur qui va vers la tour.
La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius, en plein cœur de la ville. Branche-la, et elle s'occupera du reste. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Hein ? Bon courage, mon frère ! Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici ? Mais où est-ce qu'il a appris à négocier ? Sacré Ratchet. Alors attends, est-ce que j'ai pas oublié quelques caisses ici et là ? Ouais, c'est au centre. Vite fait. Est-ce que j'en ai pas là-bas ? Bon, on peut s'avérer rapidement des pailles, comme ça c'est pratique. Fantôme s'imaginait que ce grand coboulon m'aiderait à retourner au bazar ? Non, bah écoutez, je pense que j'en ai eu la majorité. Tant mieux. Alors, les reflets, tout ça, c'est encore une fois incroyable. Bon, arrêtons de parler des graphismes. Sinon, on s'en sort plus. C'est terrible. Bon, pardonnez-moi à cette premier épisode, il y a toujours ce petit gamin en moi qui ressort. Bon, tout ce qu'il me reste à faire, ouh, ça va vite, c'est me rendre à la statue, utiliser Glitch, choper une navette et trouver Clank sur Sargasso. T'inquiète, j'arrive, mon pote. Tiens bon encore un peu. Alors, on peut sauter, ok. Il y avait rond pour esquiver, mais ça marche pas. Ou alors, je sais pas compris. Un robot espion de la résistance ? Ça pourrait me servir. Je devrais y jeter un œil. Ah ah ! C'est forcément la console d'accès. Interdit de doubler dans la bouche d'attente. Mais où est-ce que tu sors, toi ? Et niveau plus, niveau 4 pour le pistolet rafale. Qu'on utilise, il est vrai, très souvent. On va changer un peu d'ailleurs. Steve. Ouh, ouh. Il y en a de partout. C'est incroyable. Je lâche les champitrons. Et on peut se protéger avec les petits covers là. Oula. Il se passe quoi? Je suis vraiment ravi que tu aies survécu au voyage. Mais tu vas mourir. Allez, je l'allume, hein, j'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce qu'il faut pas qu'il... Aïe. Est-ce qu'il faut pas qu'il ouvre son réacteur, là, tu vois? C'est possible? Cette arme est vide. Ah ouais. Attention aux ondes de choc. On évite les coups de bidon, également. Wouh. Dernier moment. Allez-retour. C'est pas vrai. Bien sûr, je fais vraiment tout mon possible pour te réduire en pièces. J'avais pas remarqué, tiens. Ah, on l'a eu, non? Pas encore. Là, c'est bon. Et voilà. Je peux enfin connecter Glitch à cette console d'accès. Oh lolo. C'est incroyable, le SSD magique, hein. Vous l'avez vu, il n'y a aucun temps de chargement. C'est hyper dynamique. Rien à dire. Oh, salut. Tu dois être Glitch. Je suis Ratchet. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu et... Pour tout te dire, je n'ai plus personne pour m'aider, à part toi. Merci. Ratchet ? Hein ? Il a l'air plutôt sympa. Il me suffit sans doute de supprimer quelques fichiers et ensuite, il sera tranquille. D'accord, on tire comme ça avec la gâchette. Ah, c'est chouette ! Bon, j'espère qu'on aura toujours quand même des phases avec Clank, hein. Espérons que ça remplace pas. Commence à se réduire. Bien, 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 bien. Dans ce cas,
d'un virus. J'ai pris les capsules pour collecter de la santé. D'accord. Oh, c'est pas mal ces séquences. Hop là. Vraiment chouette. Bon, de toute façon, c'est vrai que Clank qui sera avec Rivette. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être pendant tout le jeu, on verra. Donc, on aura les séquences avec Clank. Donc, on contrôlera Rivette. De base. Oula! C'est la meilleure. Tu as réussi, Mitch. Ravi de vous revoir, votre majestueuse majesté. C'est parti. C'est la première fois que je trouve une araignée mignonne. Des robots de guerre, 5 canons destructeurs de planètes et un système de surveillance couvrant la ville entière. Si seulement ce maudit dimensionnateur fonctionnait encore. Clank, hein? Notre maître à tous. Mot de passe, s'il vous plaît. Pas besoin de mot de passe. Je suis l'empereur et si je te réduisais plutôt en miettes. Je vais se lombard. Et nous arrivons sur Sargasso. Avec Rivette, je suppose. Et donc, tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarius et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarius, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours! Nous sommes attaqués! C'est... quelqu'un! Mork? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Accroche-toi! Oh. Attention! Je fais toujours attention, hein? Mais où m'emmènes-tu exactement? Eh ben, je comptais te conduire dans ma planque. Mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de gélatonium. C'est incroyable! Regardez tous les particules, les couleurs! C'est magnifique! Waouh! Eh bien, écoutez, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Faut que je me remette un petit peu de mes émotions. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure dès demain. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et là, j'espère pour vous que vous n'allez pas louper la suite parce que ça a l'air vraiment incroyable. Merci à tous. À très vite. Ciao, ciao.